Mai 1994. Dans les journaux télévisés, les Français découvrent ces images. Plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir. Les Hutus tuent les Tutsis et apparemment ont décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide. Ce génocide, il va durer 100 jours. Et selon l'ONU, ce sont plus de 800 000 Tutsis qui seront assassinés par le pouvoir extrémiste Hutu. Quelques jours plus tard, sur une autre chaîne, un témoin accuse. Les gens qui ont fait la promotion de cette politique du pire, quoi, d'extermination, étaient activement soutenus par la France. Et de la part du gouvernement français, on n'a pas entendu une seule condamnation publique claire. Aujourd'hui encore, le rôle de la France dans ce drame est controversé. Des journalistes, des chercheurs, des juristes demandent depuis des années l'ouverture des archives. Ces archives, ce sont les notes, les rapports, les télégrammes diplomatiques émis par l'Élysée et les différents organes de l'État concernés. En 2015, François Hollande avait pris l'engagement de les rendre accessibles. On en est loin. L'accès n'est donné que ponctuellement et partiellement. Ce qui entrave le travail des juges et des historiens. Mais alors, de quoi parle-t-on ? Pourquoi certains accusent-ils la France de complicité de génocide ? Rappelons d'abord le contexte. Tout commence à l'époque de la colonisation belge. Au sein de la société rwandaise, des Hutus et des Tutsis. Un seul et même peuple, avec des places différentes dans la société. Les Tutsis sont plutôt des propriétaires de troupeaux, et les Hutus, plutôt des paysans. Les colons belges attisent cette différence. Ils s'appuient sur l'élite Tutsi pour gouverner, ce qui crée des tensions et des frustrations. En 1962, le Rwanda devient indépendant. Les Hutus prennent le pouvoir. 10 000 Tutsis sont tués, 300 000 autres sont poussés à l'exil. Dans les décennies qui suivent, certains revendiquent leur droit au retour et mènent des attaques régulières sur le territoire. En réponse, les Tutsis de l'intérieur servent de bouc émissaire et pendant près de 30 ans, ils sont violemment réprimés par le pouvoir Hutu. L'histoire s'accélère en octobre 1990. Une rébellion menée par des réfugiés Tutsis, entre en force au nord du Rwanda. C'est le début de la guerre civile. C'est à ce moment-là que la politique de la France devient trouble. Vulnérable, le gouvernement de Kigali demande l'aide de la France. Paris lui fournit des armes et entraîne l'armée régulière rwandaise. Mais simultanément, la société rwandaise se radicalise. Une frange extrémiste du pouvoir Hutu endoctrine militaires et civils. Avec un but, exterminer les Tutsis. Déjà, des massacres sont commis, et plusieurs témoins tirent la sonnette d'alarme. La FIDH, puis une mission de l'ONU, alerte dès 1993. Il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques, c'est une politique organisée. On a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité. Notre pays peut, s'il le veut, peser sur cette situation. Des alertes sont également émises par les services de l'État. Dès 1990, l'ambassadeur de France à Kigali rapporte un risque d'élimination totale des Tutsis. En 1993, la DGSE informe l'Élysée d'un vaste programme de purification ethnique dirigé contre les Tutsis. Malgré ces avertissements, Paris maintient son soutien au régime de Kigali. Pour la France, la priorité, c'est d'obtenir des accords de paix entre son allié le pouvoir et les rebelles du FPR. Ces négociations finissent par avoir lieu. En août 1993, les accords d'Arusha prévoient le retour des exilés Tutsis et le partage du pouvoir. Mais le 6 avril 1994, rebondissement. Le président rwandais meurt en plein ciel, son avion abattu par deux missiles. Les extrémistes Hutus saisissent l'occasion pour s'emparer du pouvoir.
le génocide des Tutsis commence. Aussitôt, les premiers Tutsis sont assassinés. Méthodiquement, systématiquement. Et avec eux, les opposants Hutus. Ces massacres, ils sont commis par l'armée rwandaise, par des milices et avec l'aide de la population. Encore aujourd'hui, des zones d'ombre empêchent de comprendre comment les extrémistes ont pu s'emparer du pouvoir. D'abord, qui a tiré sur l'avion du président ? Les circonstances de cet attentat demeurent très opaques. En 2014, une enquête a conclu que le tir venait probablement d'un camp militaire tenu par l'armée. Mais la boîte noire de l'appareil n'a jamais été retrouvée. On sait néanmoins que plusieurs militaires français se sont rendus sur les lieux du crash dans les 15 minutes qui ont suivi. Plusieurs témoignages laissent penser qu'ils auraient récupéré la boîte noire. Mais le rapport de mission des militaires n'a jamais été rendu public, même pour la mission parlementaire de 1998. Deuxième zone d'ombre, la formation du gouvernement intérimaire, qui déclenche le génocide. Car ce gouvernement ne s'est pas formé n'importe où. Deux jours après l'attentat, les réunions des extrémistes Hutus se déroulent au sein même de l'ambassade de France, à Kigali. L'ambassadeur belge émet des réserves, pas la France, qui reconnaît ce gouvernement. Elle le présente comme conforme à la logique des accords d'Arusha. Elle recevra même le nouveau ministre des Affaires étrangères, quelques semaines plus tard, à l'Élysée, alors que les massacres sont en cours. Troisième zone d'ombre, les livraisons d'armes pendant les massacres. C'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des livraisons qui se sont poursuivies, c'est la suite de l'engagement d'avant. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc c'est pas la peine de le découvrir, de le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. Ça n'a rien à voir avec le génocide. Officiellement, ces armes sont fournies par Paris pour combattre les rebelles Tutsis du FPR. Mais le fait de livrer des armes à un gouvernement se livrant à des tueries de masse pose question. Car tout du long, l'Élysée était informée de la situation à Kigali. Exemple avec ce document, publié en 2017 par la revue 21. Le 4 mai 1994, les services secrets alertent Paris sur l'importance des massacres et recommandent une condamnation publique sans appel des génocidaires. Elle aura lieu mi-mai. Génocide, destruction systématique d'un groupe ethnique. Mais sans désigner clairement les responsables. Alors la France a bien fini par intervenir. Face au retrait de la communauté internationale, Paris décide d'agir seul. En juin 1994, est lancée l'opération turquoise. Officiellement, l'objectif est clair. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Mais là encore, plusieurs éléments posent question. L'opération était-elle seulement humanitaire ? D'anciens militaires présents sur place affirment le contraire. C'est le cas de Guillaume Ancel, ex-lieutenant-colonel, engagé au Rwanda en 1994. Le premier ordre d'opération que j'ai reçu, qui était un ordre préparatoire, c'était celui justement de préparer un raid jusqu'à Kigali pour remettre en place le gouvernement que nous soutenions. Ensuite, j'ai été missionné pour déclencher des frappes aériennes contre les ennemis des génocidaires, le FPR, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Donc ça, ces opérations étaient clairement des opérations de soutien aux forces armées rwandaises qui étaient juste en train de commettre le génocide sous nos yeux. Deuxième point, la France a-t-elle protégé la fuite des génocidaires ? Après sa chute, le gouvernement extrémiste Hutu a fui au Zaïre en passant par un territoire contrôlé par la France, la zone humanitaire sûre. Cette zone humanitaire sûre a été essentiellement sûre pour les génocidaires. Elle leur a permis de s'enfuir tranquillement et ils sont allés se réinstaller tranquillement dans des camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière pour continuer leur combat. J'ai assisté à une livraison d'armes. On m'a demandé de détourner l'attention de journalistes qui étaient sur la base de Siangugu parce que justement un convoi d'armes partait vers le Zaïre.
Nous étions sous embargo de l'ONU, bien sûr, dans une mission dite humanitaire, mais ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que ce ne sont pas mes compagnons d'armes qui ont décidé de livrer des armes. Cet ordre ne pouvait venir que du plus haut niveau de l'État. Dernier point, les événements de Bicesero. Bicesero, c'est une chaîne de collines à l'ouest du Rwanda. Le 27 juin, 2000 rescapés Tutsis sont découverts par quelques militaires français. Blessés et affaiblis, ils sont toujours menacés de mort par les génocidaires. Bicesero est, à mon avis, un événement clé dans notre intervention au Rwanda. Parce que le 27, mes camarades des forces spéciales trouvent des rescapés dans les collines de Bicesero. Et là, au lieu de les aider, ils reçoivent l'ordre de les laisser. Parce que ça n'est pas leur mission d'aider les rescapés. Leur mission, c'est d'aller stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. De leur côté, les responsables de l'armée française affirment ne pas avoir été alertés avant le 30 juin. Date à laquelle des militaires redécouvrent ces réfugiés, qui seront finalement secourus. Entre-temps, plus de la moitié ont été massacrés. Alors, est-ce que l'accès aux archives permettra d'éclaircir toutes ces zones d'ombre une fois pour toutes ? Eh bien, pas nécessairement, puisque l'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il est possible qu'elles révèlent peu d'informations. N'empêche, ouvrir les archives est une action concrète qui permettrait de lever certains doutes. Il y a un sujet, je dirais, de société. Comment est-ce qu'on peut contrôler les opérations qui sont menées en notre nom ? La France est intervenue dans le dernier génocide du XXe siècle sans jamais s'en prendre aux génocidaires et en les aidant. Est-ce que c'est acceptable ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cela ne se reproduise pas ?